Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Armée de la République démocratique du Congo condamné à la peine de mort. Les militaires sont accusés d'avoir battu en raid franc face à l'ennemi M23 entre les villages de Kasserong face à l'ennemi M23 entre les villages de Kassegué et Alimbongo. Dans la province de l'Ituri, mercredi, un site minier des expatriés chinois et des militaires sont accusés d'avoir battu en raid. 6 exploitants miniers ont été tués. Un émeri que la société civile condamne. Les faits se sont produits non loin de Mongwalu. À suivre dans ce journal, le témoignage d'une des victimes. Quoique les victimes sont difficiles à être d'une des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, l'indemnisation a commencé. Quoique les victimes sont difficiles à être toutes répertoriées, Mimi Otsudi nous parlera de cette journée du 6 juin 2000 avec émotion. Et quoi que du Congo pour avoir battu en retraite au front face au M20. On a Lee Bango, ces éléments des forces armées démocratiques du Congo, condamnés à mort, ont également été poursuivis pour dissipation de munitions, violation des consignes. Dans la province de l'Ituri, on continue encore de compter des morts. La milice Codeco. La milice Codeco a attaqué un site minier appartenant à des plusieurs morts. Ce que dénonce Cal, qui dit trop, c'est trop, il est temps d'agir. Cette milice Codeco a mené cette attaque non loin de Mongwalu. Nous allons y revenir d'ici la fin de cette édition du journal. Nous allons rester toujours dans la province de l'Ituri. Vous en rappelez peut-être, au mois de mai dernier, une bourgade du territoire de Djougou a été la cible d'une attaque faisant plusieurs morts. Cette attaque était également attribuée à la milice côte. S'en sortir alors que 8 de ses collègues, des proches, ont été tués. Il s'est livré à notre permanent sur place, Vérité Zava Johnson. Il a dévoilé ce qui s'est passé, pied gauche bandé, pendant sa période de rééducation. Une seule date lui vient constamment à l'esprit. Les 11 mai 2024. S'en sortir alors que 8 de ses collègues, des proches, ont été tués. Sa vie a basculé au bout d'une minute, sans demander son avis, des éléments de la milice. On a tout cas face à case. Aussi, quand on a un ancien assassin, on a tenu un bel camarade. Ils ont tué 8 personnes.
place. Ils ont tué 8 personnes avant de nous avoir 8 corps de leurs propriétaires. Commencer le premier versement des indemnisations des victimes de la guerre de six jours à Kisangani. Malgré la polémique sur l'identification de ces victimes, certains ont commencé réellement à percevoir leur victime, certains ont commencé réellement à percevoir leur argent. La guerre de six jours de Kisangani avait opposé du 5 au 10 juin deux armées rwandaises et ougandaises en plein territoire de la République démocratique du Congo, dans la province de la Tchopo et dans la ville de Kisangani, armée rwandaise et ougandaise en plein territoire de la République démocratique du Congo, dans la province de la Tchopo et dans la ville de Kisangani, en plein centre-ville, cette guerre, plusieurs dizaines de morts, des blessés innombrables. L'Ouganda, sommé de payer, avait versé quelqu'un, Mimi Otchoudi est parmi les bénéficiaires, victime avait toujours ce traumatisme. Elle est revenue sur ce qui s'est passé le site. À cette époque-là, il avait presque 17 ans. Nous étions en nombre de 10 personnes. Et mon papa était sorti du train. Et moi, j'étais à l'hôpital avec mes parents. Et c'était vers 8h, j'étais avec mes parents. Et c'était vers 8h, donc vers 9h moins, avant que la guerre ne commence. Je suis partie à Marseille, Brésil, en France. C'est là où moi j'avais eu la grâce de Marseille, Brésil, en France. C'est là où moi j'avais eu la grâce d'être épargnée parmi les personnes qui étaient là. Tout le monde était là, moi. Il m'a fait du parce que le était chinois, lui était ensemble avec lui. Moi, partager la maison, il avait rien de la maison, de personne, tout le bien de la maison. Donc, tout le monde est vraiment pour mes voisins qui m'avaient entraîné, qui n'avaient plus personne. Moi, dans ma tête, en étant chienne, Quand la guerre avait une pause à 14h, c'est là où je suis qui m'appelle le papa. La papa est revenu, tout le monde est mort. C'était la porte, d'abord c'était le voisin de la ville, tout le monde est mort. C'était la porte, d'abord c'était le samedi, le jour de la guerre. Ils ont adhéré et après le samedi, le jour de la guerre avec Poutin, après la victoire où j'ai pu venir, des armées rwandaises et ougandaises en pleine ville dans Tour à Kisangani, guerre ayant opposé des armées rwandaises et ougandaises en pleine ville dans sur le sol congolais. Et le vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, le nouveau dans le gouvernement suminois, il s'agit de maître Jacques Mini. Il a été officiellement présenté ce jeudi à la police nationale congolaise.
Oui, il a été officiellement présenté ce jeudi à la police nationale congolaise. Comme le veut la tradition, après chaque entrée en fonction du vice-premier ministre, ministre des armes doit être organisé en son honneur afin d'aider aux cadres et agents de la police nationale congolaise. C'est jeudi 4 juillet, maître Jacquemin Chabani, Théo cadre et agent de la police nationale congolaise. C'est jeudi 4 juillet, maître Jacquemin Chabani. Bon de rappeler que la police représente non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. La police nationale congolaise représente donc pour le gouvernement non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ce qui précède et s'attachera au préfet à la nation. De devenir une police républicaine et ainsi un état de droit que prône le chef de l'État. Il a par ailleurs invité les policiers à éviter les antivaleurs comme les arrestations arbitraires, des tracasseries routières et 3 policiers ont reçu des cadeaux auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour avoir fait preuve de loyauté, de dévouement et de probité morale. Et mercredi, la première ministre Judith Suminatuluka a présidé sa toute première arrêt économique au Mini, maîtriser la situation de l'inflation, mais également la stabilisation économique. De la monnaie locale, le franc congolais, de prendre des réformes budgétaires et monétaires courageuses pour La première séance de travail du comité de conjoncture économique composé du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, celui en charge du plan des ministres du budget, des finances, du commerce extérieur, feuille, ainsi que la gouvernante de la Banque centrale du Congo. Présidé le mercredi 3 juillet 2024 par la première ministre Judith Tuluka Suminwa, l'achèvement a recommandé au ministre du budget et des finances de présenter la situation à jour des finances, publiques à fin juin dans le but de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. Pour le Mukoko Samba, suivre de près la situation économique et financière du pays, le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, stabiliser le franc, comme l'a commandé le président de la République Félix Tshisekedi dans son allocution du 30 juin. Nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à le gouvernement national, le franc congolais. Le comité de conjoncture économique a également examiné l'incident présente des groupes armés à certains points d'entrée du pays. À ce propos, il a été décidé de prendre vue de soulager la situation économique des Congolais se trouvant dans cette partie. Par ailleurs, cette réunion du comité de conjoncture économique intervient au moment où le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver la 6e et dernière revue du pays. Qui sait plus de 200 millions de dollars pour renforcer ses réserves internationales. Merci.
Nous l'avons annoncé en début de cette édition du journal, une attaque meurtrière de la milice, Codeco dans la province de l'Ituri a fait plusieurs morts. L'attaque a ciblé un site minier appartenant à expatriés chinois. Bilan, 6 exploitants miniers tués. C'est que a dénoncé la société civile locale qui a l'action pour finir mettre fin à ce cycle de tuerie. Vérité Zaba Johnson. À Bombi, est-il Borga? À l'action pour finir mettre fin à ce cycle de tuerie. Vérité Zaba Johnson. À Bombi, est-il Borga du secteur de Banyali Kilo, territoire des Djougou, la Burkina Faso? Les otages seraient conduits pour la plupart à des destinations des trois autres expats, demeure inconnue. D'après le docteur Vital Tungu, le répondant de la communauté Nyalikilo, la population s'est vidée de cet agglomération par crainte d'une énième éruption de l'ennemi. Au village Kablaket, ces mêmes miliciens sont cités commandeurs de l'incendie de plusieurs maisons. Peu après l'attaque meurtrière d'Aboum, il est temps d'engager des poursuites contre ces miliciens. Estime Diédoné Lossa, il est temps d'engager des poursuites contre ces miliciens. Estime Diédoné Lossa, répondant de la société civile à l'Ituri. T'étais évacué vers Bounia, chef de la province de l'Ituri. Deux miliciens Codeco, malgré signataire de cessez-le-feu, sont toujours acquisés où l'armée annonce mener des opérations depuis fin juin 2024. Nous allons quitter la province de l'Ituri pour celle de Kwilu, où la ministre provinciale du genre et de la famille, a, au nom du gouverneur, lancé l'atelier d'élaboration du plancher provincial des plans locaux. Exécution par l'agence japonaise de coopération internationale JICA en sigle, Benoît Degoff Dal. C'est dans la grande salle du Majestic Hotel que Madame Marie-Thérèse, ministre provinciale du genre, famille et enfants de la province du Kwilu, représentante personnelle du gouverneur, a procédé en présence dans de l'organe délibérant du Kwilu, honorable Oscar Taman, à l'ouverture de l'atelier de lancement des activités pour l'élaboration du plan provincial et des plans locaux d'aménagement du territoire. Cet atelier provincial et des plans locaux d'aménagement du territoire. Cet atelier initié par le projet intégré de la réduction des émissions du action et dégradation des forêts PIREG en sigle qui est exécuté. Par l'agence japonaise de coopération internationale JICA en sigle a pour objectif d'informer l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la planification. Du développement au niveau provincial du processus d'élaboration des outils d'aménagement du territoire en Augustin Kabamba, ces outils d'aménagement du territoire et les sensibiliser sur leur pleine participation, nous dit. Et toutes les parties prenantes à s'approprier de ce projet. Je viens de lancer cet atelier qui me semble important au niveau de Provence. Tu vois, il félicite et monsieur. Et je trouve que c'est vraiment l'atelier qui a, parce que ça concerne l'aménagement des territoires qui est un des piliers du développement. Notez que cet atelier, qui a une durée de 2 jours, aura résultat la transparence du processus du plan provincial. Résultat, la transparence du processus du plan provincial d'aménagement du territoire. Et alerte santé dans cette édition du journal, le ministère de la Santé Hygiène aux frontières annonce à la population congolaise à travers une note d'information que de la résurgence des cas de COVID observer un taux d'isolement de 7 jours au moins. Le ministre du Commerce exige un isolement de 7 jours au moins.
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kawungia, présentera la stratégie AGOA RDC à la réunion de renouvellement RDC, à la réunion de renouvellement de la AGOA prévue mi-juillet aux États-Unis d'Amérique. RDC à la réunion de renouvellement de la AGOA prévue mi-juillet aux États-Unis d'Amérique. RDC à la réunion de renouvellement de la AGOA prévue mi-juillet aux États-Unis d'Amérique. Et en prélude de, justement de ce rendez-vous d'affaires, le lien avec la diplomate de la République démocratique du Congo accréditée aux États-Unis. Et puis avec les experts pour passer Henri Pavel Kambale et Thierry Chavannes. Le ministre du Commerce extérieur sur le renouvellement interne aux États-Unis d'Amérique à la grande réunion sur le renouvellement de l'AGOA, une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane, exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et sans obligation de réciprocité. Information livrée ce jeudi à Kinshasa par Marie-Hélène Matéimo Louma, ambassadeur de la RDC accrédité aux États-Unis d'Amérique. Maintenant que nous parlons de la révision d'AGOA, où sont nos minéraux ? Au cours de session du renouvellement de l'AGOA qui démarre le 21 juillet 2024, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kawungia, avec des mesures incitatives du gouvernement pour accompagner les opérateurs économiques congolais, une vitrine pour lui de séduire les Américains, les pays congolais, dont les minéraux stratégiques et les produits agroalimentaires que la RDC veut exporter. Les pays congolais, dont les minéraux stratégiques et les produits agroalimentaires que la RDC veut exporter vers les États-Unis d'Amérique. Des B2B avec des hommes d'affaires américains seront également au rendez-vous au cours de cette session qui sera par américains seront également au rendez-vous au cours de cette session qui sera co-présidée par la RDC l'Afrique du Sud. Juste après cette rencontre, le ministre a organisé une réunion stratégique avec les ministres du commerce extérieur africain et représentants des entreprises africaines, les SOMS et les membres de la société civile qui s'est tenue la semaine dernière à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a une tout à fait nette dans l'utilisation du terrain au calme de Kinshasa. Un mélange d'activités incompatibles qui vient en perte tout à fait nette dans l'utilisation du terrain au calme de Kinshasa. Un mélange d'activités incompatibles qui vient perturber le déroulement des compétitions sportives. Et parmi ces compétitions, le tournoi Marie-Olive Lembe, Gad Moukiako et Jonathan Ebondo. Alors qu'il était censé accueillir les tournois de football Marie-Olive Lembe Kabila en version masculine et féminine du 17 juin. Au 29 juillet, le terrain au calme de Kinshasa, pourtant les organisateurs de cette compétition, avaient déjà obtenu l'autorisation du bourgmestre et de la commune engagée dans ces tournois, Maman Olive Lembe Kabila, qui ont été contre l'organisation de cette kermesse qui a perturbé toutes les activités sportives se déroulant ici à tour de rôle. Et contre l'organisation de cette kermesse qui a perturbé toutes les activités sportives se déroulant ici à tour des rôles. La kermesse est interdite dans des terrains de foot. Non seulement à notre terrain au calme, mais à travers la ville-province de Kinshasa. On a interdit de kermesse dans des terrains. Pas interdit de kermesse. La kermesse est interdite dans des terrains de football. Non seulement à Lingwala, la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est un. Si vous voulez organiser des kermesses, c'est ailleurs. Promet l'avenir, ces terrains, pendant cette période de l'année, l'occuper pour une autre raison, compromet l'avenir des joueurs, estiment les encadreurs. Et puis, c'est depuis 0-1. C'est notamment que ces gens sont venus installer leur dispositif. Nous étions dans l'obligation de revendiquer nos droits. Il n'y a que deux terrains à Lingwala. Celui de la PNC étant déjà occupé par une kermesse, nous ne pouvons pas accepter que celui-ci subisse le... En outre, les bruits de la kermesse sont désagréables pour le... On organise une cérémonie d'hommage à Mwami Simbi,
dans la province du sud de Kivu, à Mwami Simbi, assassiné dans la nuit du 22 au 23 juin dernier. Dans la province du sud de Kivu, c'était le 2 juillet à Lubumbashi, et punir sévèrement les auteurs de cet assassinat. C'est une cérémonie d'hommage des ressortissants de Fizi et secteur d'Itomboué au Mwami Simbi, chef du groupe Montanganyika, territoire de Fizi au sud Kivu, assassiné la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin dernier. Prénom Tanganyika, territoire de Fizi au sud Kivu, assassiné la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin dernier. Prenant la parole à cette occasion, Fiston Simba Doudou, président des Bembe, vivant dans l'espace Grand Katanga et membre de l'opposition congolaise, du par condoléances à la famille biologique éplorée du Mwami. À tous les babes, condoléances à la famille biologique éplorée du Mwami, à tous les babondo disséminés à travers le monde, et particulièrement ceux qui vivent à Fizi, dans la cité de Mboko, où résidait le Mwami. Cet acte qu'il qualifie de lâche assassinat d'un si grand notable, de surcroît chable, de surcroît chef coutumier, gardien et promoteur des coutumes et traditions du coin. Lui qui était aussi porte-parole, mais également consultant de l'Union européenne en matière de sécurité. Fait que jusqu'à ce jour, aucune enquête judiciaire devant mettre à nu les commanditaires n'a été initiée. Autant notre pays se veut démocrate que jusqu'à ce jour, aucune enquête judiciaire devant mettre à nu les commanditaires n'a été initiée. Autant notre pays se veut démocratique et milite pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme. Et pendant ce temps, Mgr Nicolas Djomo, évêque émérite, le prélat catholique, a célébré une pour rendre grâce à Dieu. C'était à la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa Gombe, en présence de pour rendre grâce à Dieu. C'était à la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa Gombe, en présence de plusieurs fidèles et personnalités du pays. Le commentaire est de Lisette Kengakele. Distance, Mgr Nicolas Djomo. Le commentaire est de Lisette Kengakele. Pour marquer ses 80 ans d'existence, Mgr Nicolas Djomo, évêque émérite de Tchoumbe, a célébré cette messe d'action de grâce en présence de ses frères et sœurs, ainsi que de plusieurs personnalités aisées, fils du terroir. Dans son homélie, Mgr Nicolas Djomo, célébrant, a rendu grâce à Dieu de leur province. Il a manifesté sa gratitude en nom qu'il a comblé de ses grâces tout au long de sa vie sacerdotale. Aussi, il a demandé aux fidèles de prier pour les populations de l'Est en détresse. À des périodes difficiles dans les pays de la région des Grands Lacs, tout comme dans notre pays. Dans cette église, pour s'en culte, à tous nos bienfaiteurs congolais et étrangers. Mgr Nicolas Djomo, à Lourou, il était président. L'un de ses collaborateurs, Mgr Donatien Cholet, témoigne. Mgr Nicolas Djomo, que je considère Dieu pour le pays, pour l'Église du Congo, un don. Dont la conférence épiscopale a bénéficié. Je retiens de lui un homme efficace dans ce qu'il fait, un homme discret mais efficace, un homme délicat et puis un homme fin. Donc, dans ses propos, vous sentez la finesse. C'est vraiment une école où je me suis fait aussi quelque peu former. Même les autorités provinciales, dont le... Où je me suis fait aussi quelque peu former.
même les autorités provinciales, dont le gouvernement. Oui, je me suis fait aussi quelque peu formé. Même les autorités provinciales, dont le gouverneur élu, Victor Kitenge, reconnaît le mérite de ce grand esprit. Qu'il soit avec, nous accompagne également par ses actions, parce que c'est comme un grand bâtisseur. Et les secours ont besoin d'être bâtis. C'est dans une ambiance conviviale autour d'avoir clôturé la cérémonie marquant les 80 ans d'âge de Mgr Nicolas Djomo. Les partenariats forêt Union européenne, Dia Komo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo au Brazzaville, c'était le 3 juillet 2024 de l'Union européenne en République du Congo au Brazzaville, c'était le 3 juillet 2024. Et cet échange avec la presse s'est fait dans le cadre de... À l'occasion de l'année sur la forestation et le reboisement, plusieurs activités se tiennent au centre de conférence de Kintéré. Le cadre de la conférence de presse de l'année sur la forestation et le reboisement, est relative au partenariat forêt avec la République du Congo, conférence de presse au cours de laquelle a été éclairci le contenu de ces partenariats du Congo, notamment dans les axes principaux, à savoir, entre autres, la gouvernance, la réduction de la déforestation, la biodiversité, conservation, la lutte contre le changement climatique. En quelques mots, les forêts, c'est une question importante. L'ambassadeur de l'Union européenne pense que la CIAR en est une des opportunités pour des financements des forêts. Il y a beaucoup de possibilités de financement, mais souvent... les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas comment. Donc, le fait d'avoir des initiatives comme celle-ci, comme le Country Package, aide aussi les financiers, et notamment aussi tous les financiers privés, parce qu'il y a énormément de fondations privées qui financent énormément d'activités, mais qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe au Congo. Donc, je pense que ces conférences ont aussi un avantage très important en termes de financement et d'appui sur ce qui se passe au Congo. Dominique célèbre leur indépendance obtenue depuis 1767. Les États-Unis d'Amérique célèbrent leur indépendance obtenue depuis 1776. Mais pour cette année 2024, les Américains n'ont pas l'air à la fête. Doute quant à l'avenir de la démocratie, le doute qui empêche que cette fête ne soit totale. Amina Amouacha et Josaphat Gouma. 4 juillet, les Américains ont des fériés payés pour tous les employés fédéraux. Une fête nationale où les Américains sont souvent dans la démesure avec des décorations aux couleurs. De leur drapeau. Ces 4 juillet 2024 arrivent avec goût amer, rapportent plusieurs médias américains. De nombreux Américains s'inquiètent quant à l'avenir de leur goût amer, De nombreux Américains s'inquiètent quant à l'avenir de leur démocratie. Un vendeur dans une boutique d'effets d'artifice en Caroline du Sud, qui fait souvent des meilleures ventes les 4 juillet, raconte que cette année, il y a eu un bémol. Du mouvement Black Remédier poursuit les magazines. La malaise s'est installée crescendo selon le Christian Science Monitor qui cite les manifestations du mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd par la police ou l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021. Plus récent, c'est la flambée du coût de la vie qui a encore impacté les Américains. Pour Corona, dont ils ne veulent plus de... Tu restes édition du journal. Merci à vous de l'action que vous avez bien voulu nous accorder. Bon, des programmes sur nos antennes. Au revoir, chef. Thank you.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.